Les gars, qu'est-ce qui se passe? Kubikov? Sierga? Les gars, où sommes-nous? C'est quoi ces costumes? J'arrive pas à me détacher. Il y a une porte! C'est fermé. Et les murs, ils sont comment? Zut! Les gars, les murs sont pas durs! Et le sol non plus! On est vêtus de chemises blanches! On est devenus fous ou quoi? C'est un asile d'aliénés! Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Vous vous rappelez comment on a été enlevé? On filmait... je sais plus. Les gars, je crois qu'on tourne tellement de vidéos qu'on vient juste de devenir fous et on nous a enfermés. Hey! Quelqu'un nous entend, non? Y'a quelqu'un? Hey! Vous nous entendez? On vient de se réveiller! Hey oh! Silence! Vous avez entendu ça? C'est qui? Qui es-tu? Pourquoi on est enfermé? Les gars, je comprends rien du tout. Bon, ok, c'est une cellule. Quelqu'un nous voit et nous entend. Je crois que c'est une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on va devenir des cobayes. Bon, d'accord les gars, on va attendre. Peut-être qu'on va nous expliquer ce qui se passe. Mince les gars, je commence à aimer ça. Bonjour mes chers patients. Je m'appelle le docteur, et vous êtes mes invités pendant les 24 prochaines heures. Un challenge de 24 heures? J'espère que vous appréciez le confort de ma chambre blanche. Le but de mon expérimentation, pouvez-vous passer 24 heures dans une chambre blanche? Ce ne sera pas difficile si vous ne résistez pas. Non, ouais. Et faire attention à mon commandement. Je pense que c'est facile. Oui, on est bien ici. D'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers tubeurs à être ici, les gars. Ouais, et avec qui? À vrai dire, tous les participants précédents sont devenus fous. Je sais pas pourquoi. Oh. Bizarre, non? Bah ouais, ça devient flippant. Et je sais pas qui est devenu fou, les gars. Peut-être que vous avez vu que quelqu'un sur YouTube est devenu des glingos. Écrivez-le dans les commentaires. Bon, d'accord, bah regardez. 24 heures dans une chambre blanche. Ici, tout est doux. Ça va, on est dans le confort, c'est doux. On peut pas bouger quand même, mais bon, bah c'est pas grave. Alors, Kubikov, comment c'est sans téléphone? Je me sens mal. Et toi, sérieux, gars? Je veux sortir d'ici. 24 heures. Eh bien, top chrono. Je propose de ne rien faire, juste rester comme ça. Et moi, j'ai envie de bouger un peu. 24 heures. Bon, ok les gars, et comment on va aller aux toilettes? Et qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce qu'on va boire? C'est peut-être une sorte de régime? Merde, les gars, le nœud, ça appuie sur le dos et je peux pas rester allongé sur le dos. Je crois que c'était prévu comme ça. Je me demande ce qu'on va pouvoir faire avec nos mains après, elles vont s'engourdir. Les gars, ça a commencé il y a 15 minutes. J'en ai déjà marre, les gars. On se fait chier. Hey, où est la lumière? Hey, c'est quoi ça? Pourquoi y a pas de lumière? Je vous vois pas. C'est quoi? T'es qui? Messieurs, bienvenue à ma clinique de la mauvaise santé. Je suis pas malade. C'est à moi de le décider, Vlad. Je suis pas malade. Bien, on va t'ausculter. Alors, le cœur bat normalement, d'accord. Je suis pas malade. L'attention est bonne. Bien, le patient est stable. Kubikov. C'est vrai? Comment tu t'appelles? Eh ben, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, Kubikov. Tu as faim? Oh, je vais te nourrir de force. Parce que les patients ont besoin d'être nourris, choyés et chéris. Alors, qui es-tu? Ah, je te reconnais, Sergueï. Mon troisième cobaye, hein? Génial. Oh, les gars, on va bien s'amuser aujourd'hui. Vous allez relever mes défis. Voyons si vous pouvez rester dans ma chambre blanche pendant 24 heures. On y arrivera. On entame la première heure. Et si j'entends le moindre bruit, juste un tout petit bruit. C'est pas toi le principal, compris? On n'a pas peur de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, fais voir. Vous allez voir, les gars. Pourquoi cet état, les gars? Il va revenir, je crois. Les gars, c'est quoi? Vous auriez pu rester en silence pendant une heure, mais au lieu de ça, vous la passerez par une chaleur épuisante. Les gars, c'est du chauffage. Il est très puissant. Aïe, 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 aïe. Il fait chaud, putain. Les gars, je me mets dans le coin le plus éloigné. Bon, il faut se tenir au sol parce que toute la chaleur remonte vers l'eau. Qu'en pensez-vous? On va réussir? Je suis pas sûr. Je commence à avoir chaud. Mince, les gars, j'arrive plus à supporter ça. Les gars, le sol est un peu froid encore. Les gars, il fait très chaud et j'ai soif. Les gars, pourquoi la lumière s'est encore éteinte? Enfin! Et ce n'est pas tout, mes chers patients. Gare à vos oreilles!
Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est du plastique expansé, aïe! Non! Ces regards, aide-moi! Et d'où vient ce bruit? Bon, arrête, on sera plus obéissant! Oh, bon, les gars, suivons ces règles, il doit être fou celui-là! Les gars, ça va être très dur. Oh, qu'est-ce que c'est? Les gars, quelqu'un le voit? Non. Alors, quoi? Hein, qui a demandé de l'eau? Nous, on a très chaud. Ouais, il fait un peu chaud ici. Mais t'es un monstre, on a bien dit qu'on va t'obéir. Oh, pardon, mais il ne me reste plus d'eau. Une petite goutte. Boire, donnez-moi à boire. Boire, s'il vous plaît, je vous en... Cher youtubeur, si vous restez sage pendant l'heure suivante, je vous donnerai à boire. C'est bon, vous m'entendez bien? C'est bon! Super! C'est quoi ça? Chers patients, les voisins d'au-dessus vous passent le bonjour! C'est insupportable! Et ça ne fait que 2 heures qu'il nous fait subir tout ça. Les anciens, pas faire trop de bruit. C'est drôle. C'est de la bouffe? Il mange quelque chose? Une pomme? Un chewing-gum? Du melon? Les gars, je commence à avoir faim, moi. J'ai faim, moi aussi. C'est quoi ces bruits horribles? Les participants numéro 1, 2, 3. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé faire pipi. Oh non! Pourquoi elle fait ça? Pipi, pipi. C'est qu'il faut faire des exercices avec les jambes pour tuer l'envie pressante. Allez, bande de pisseurs. C'est pourtant simple. Direct se pisser dessus. Je dois dire que vous êtes resté des cobayes exemplaires pendant 1 heure. Vous avez mérité un cadeau. Lequel? Il n'y a aucun cadeau. Quel cadeau? Hé! Hey. Oh, oh! Voici de l'eau pour vous, mes petits chiots. Oh. Profitez-en bien. Les gars, je suis tellement épuisé, je pourrais boire comme ça, là. C'est pas empoisonné? Ah, j'ai très soif. Allez, c'est bon, pousse-toi. Je n'en boirai pas beaucoup parce qu'après, je voudrais aller aux toilettes. C'est bien. Les gars, je me sentais si mal après cette chaleur, là. C'est pas confortable. A few moments later. Les gars, et si on unissait nos forces et quand il éteint la lumière, on va le... Bonne idée. Je peux être là-bas. Et c'est tout, j'abandonne. Je veux pas participer. Comment tout annuler, les gars? Oh, la lumière. Hé, hey, mais quoi encore? Je comprends pas, là. Et maintenant, les gars, on passe à l'hypnose. L'hypnose? Non, pas ça. Vous avez le choix entre l'hypnose à l'ancienne, avec la pendule, et les techniques modernes. Je vous laisse choisir. À l'ancienne. Technique moderne. Kobekov, tout dépend de toi. À l'ancienne. Parfait. Regardez la pendule et obéissez-moi. Je contrôlerai vos pensées. Je contrôlerai votre sommeil. Je contrôlerai votre corps. Et même votre mémoire. Je vais tout contrôler. Je vous transformerai en n'importe quoi, mais mon chien. Et maintenant, dormez. Ça marche. Réveillez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ça rigole pas, hein. Maintenant, regardez la pendule. Vous êtes le pendule. Vous êtes l'entité. Ronde et tellement extensible. Et c'est si bon et si étonnant. Accélérez. Plus vite. Encore plus vite. Le concours de culbuto est terminé. Étape suivante. Les gars. Et tu croyais que c'était terminé? Quoi, lâche-moi! Lâche! Identité est anéantie. C'est quoi ton prénom? Je sais pas. T'as quel âge? Combien d'abonnés as-tu? Je sais pas. Un cas clinique, les gars. J'ai pleuré ou quoi? Les jambes deviennent lourdes. Les genoux se plient au sol.
Vous avez des courbatures dans le dos, vous pouvez plus vous tenir debout. Et le sol est si doux, si attirant. Vous vous enfoncez dans le sol. Vos corps sentent chaque grain. Vous êtes long, glissant et un peu désagréable. Vous êtes des vers de terre. De l'énergie, vers de terre. Allez, 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 comme après une averse. Bien joué. Kobyakov, continue. Montre-moi quel vers tu es. Il y a un oiseau qui veut t'attraper. Vite. Non, 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 non. Et toi, tu répètes ta phrase favorite pendant 10 minutes. Non, non, non. 10 minutes. 10 minutes. Mettez les likes, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des 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 likes. Ah, les gars, j'ai mal partout au visage. Ah. Et moi, j'ai mal partout au corps. C'était quoi? Je me souviens de rien. Les gars, aidez-moi. J'ai envie de me gratter le nez, aidez-moi à le gratter. C'est bon, les gars, je ne sais plus depuis combien de temps nous sommes là. Quand cela va se terminer? Hey! Ah, mon Dieu. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Combien encore de temps, docteur? Un temps suffisant pour devenir fou. Mince, les gars, j'ai tellement faim, j'en peux plus. Encore? Ah, ça suffit! J'en peux plus! Il a promis de nous donner à manger. Ouais. Oh, vous savez, j'ai senti un truc en tombant. J'ai quelque chose dans cette poche. Oh? N'arriverai pas à atteindre par moi-même, aidez-moi! Je vois les contours d'un portable. Chut! Kobyakov, va cacher la caméra. Oh. Plus près, encore plus près, allez! Je n'y arrive pas. Non, pousse-le! Ouais! Cache, 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 vas-y! Allez! Cache! Vas-y! Mais c'est compliqué, allez! Ouais, c'est bon. C'est le portable, les gars. Appelons Clint et disons-lui qu'on nous a pris en otage. Ouais, à tes souhaits. Merci. Allez, vas-y, Clint, allez, 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 appelle. Ouais. Oh, ça marche. Clint, décroche, décroche. Clint, Clint. Ah. Salut, les gars. J'ai tout à fait oublié de vous dire. Le téléphone immobile est interdit d'en patient ici. Ouais. C'est pas moi. Qui donc? L'un d'entre vous? Les gars, cachez le portable. Vas-y. Sergueï, cache-le, allez, vas-y. Alors, salaud, vous avez tenté de vous évader? Non. En téléphonant Glent? C'est un pote à nous. C'est moi qui suis votre pote pour les 24 heures à venir, c'est clair? Mmh. Où est le téléphone? C'est lui qui le garde. Oui, oui, pas moi, c'est lui, c'est pas moi. Pourquoi tu me dénonces, Kobyakov? Espèce de salaud! Sergueï, je te croyais meilleur que ça. Ne me déçois pas. Tu seras bientôt à court d'idées. Donne-nous à manger. Tu m'as dénoncé, Kobyakov. Il a commencé à me frapper. Bon, les gars, ça fait un bon moment qu'on reste là. Il se peut qu'il n'en reste que 2 heures avant de retrouver notre liberté. J'espère. J'ai cette impression, ouais. Vous n'êtes pas encore devenu fou, vous? Non. Moi non plus. Enfin, je crois pas. C'est regarde, tiens bon, ne te meurs pas. Je suis épuisé. S'il te plaît, donne-nous à manger. Et s'il vous plaît, on a faim. Hé hey les gars, j'ai une idée géniale. Je peux vous préparer 2 délicieux cocktails. Et il faudrait que vous les goûtiez et que vous me disiez quels sont les ingrédients, hein. Super, allez. Si vous réussissez, je vous donnerai à manger. Ouais, 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 ouais. Nous sommes d'accord. Formidable. Oh. Tadam! Bon, bah les gars, allez-y, hein. C'est quoi ça? Oh, ce sont 2 magnifiques cocktails. Qui sera le premier? Qui? Kobyakov! Un truc dégueu? Le café fort? Ah, ouais, bonne réponse. Félicitations. Alors, c'est curieux, je veux bien moi aussi. Bon, Vlad, j'ai un cocktail spécial pour toi. Je t'en prie. Alors? C'est de la compote. Mais c'est de la compote. C'est du ketchup dilué avec de l'eau minable. Bah moi, je croyais que... Moins un point. Sérieux, gars, montre-leur comment on fait, allez. Sirotire. Il aime bien. Qu'est-ce que tu traînes, là? C'est à base d'estragon, délicieux. Oui, ça a l'air. Alors, on concocte bien, on concocte un truc. Oh là, Kobyakov, t'as de la chance. T'as un truc par-dessus, en plus. Vas-y, vas-y, ouvre ta bouche.
Une potion. Eh ben. Du bouillon? Oui, un bouillon de poulet. Et c'est la bonne réponse. On continue à jouer donc. Alors. Bon, je suis pas votre serveur, vous savez. Voilà, comme ça. Les gars, c'est du lait qui pique, putain de boisson, un truc c'est asiatique. C'est de l'air, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, dégueulasse. Ça, c'est du lait acidifié, bon sang. Comment t'as bu ça? T'es un monstre, Vlad. Alors, qui est le suivant? C'est Rega. Kobeko. Tiens, Kobeko. Oh, vas-y, allez. Et toi, le deuxième. Allez. Et toi, le troisième. C'est Rega. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. C'est bien, hein. Bon, ça suffit. Gardez vos bêtises pour vous. Oh, Berk. Patience. Patience, soldat. Ne crache pas. C'est quoi? J'ai pas compris, mais c'était dégueulasse. Et il en fait encore. Allez, maintenant, sans la paille. Oh. Allez. Ah oui. Oh. Aval. Ah. Allez, 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 allez. N'hésite surtout pas. C'est quoi, c'est regard? C'est bon, hein. C'est du kiwi. Oh, ah, c'est du kiwi. Non, c'est du céleri, mon gars. C'est nutritionnel. Kobukov, maintenant. Crache dedans, s'il te plaît. On lèche. Dégoûtant. Très bien. Allez, 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 jeune homme. Bon garçon, c'est ça, c'est ça. Mais tu n'en prends pas, allez. Allez, Kobukov. Je sais. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf cru. C'est un œuf cru. Bravo. Ouais. Alors. Est-ce que je peux avoir le meilleur? Bien sûr, puisque t'es mon chouchou. Eh, mais c'est de l'huile de poisson, ça. Comment tu le sais? Goûte. Non, c'est de l'huile. C'est de l'oméga pur. Ça va, quoi. Et le dernier. Sérieux, gars. Bonne chance, allez. Allez. Quelle intensité, hein. Le jus d'orange. Et c'est la bonne réponse. Et qu'en penses-tu? Bon, les gars, je vois que votre traitement se passe très bien. Vous méritez un repas. Et la nourriture, elle est aussi dégueulasse, là? Non, allez, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Un instant. Et suis-moi. Oh, pas de mouchoir gaspillé pour toi, hein. Dis ah. Ah. Oh. Les gars, l'oméga, c'est le truc le plus dégueu que j'ai jamais goûté. En revanche, nous aurons un repas. Oh! Ah, mais c'est où? Comment ils font ça? Bon, ben, le repas ne tardera pas à être servi, j'espère. Alors, on est tranquille. Oh, la bouffe! Ah, salut, mes petits chiots. Et à trois paniers. Débrouillez-vous tout seul. En fait, moi, les gars... Et alors, soyons honnêtes, on est des potes. Je sais pas. Faut peut-être y faire un trou en rangeant. Hey, dégage! Dégage! Ben alors, toi et tes bêtises, ça donne ça, hein? C'est pas la première situation comme ça pour moi. Manger sans les mains, c'est plutôt inconfortable, les gars. Pouvez-vous imaginer à quel point nous avons laissé des miettes de partout, là? Et si on n'arrive pas à mettre tes lunettes, là, Kobeko, faites-le! Ben, aide-moi un peu, allez. Avec les dents. T'as essayé de me piquer. Attention, n'avalez pas de travers, mes trésors. Le déjeuner est terminé. Mais je viens juste de manger le fromage. J'ai pas eu le temps de manger. Ce qui sort de la main n'y revient point. Allez, salut. Kubikov, t'as réussi à mordre dans l'escalope pour atteindre le fromage? J'ai réussi à tout finir. Ah ouais? Putain, le goinf. Gros malin. Bon, les gars, j'ai mangé, je peux aller me coucher maintenant. Et ce regard n'a pas pu manger du tout, hein? J'ai pas pu, non, putain de lunettes. Délinquant. Tentative de s'évader. Il m'a frappé. Kobyakov, je ne m'attendais pas à ce mauvais coup de ta part. Tu seras le sujet de la prochaine expérimentation. Je ne voulais pas le faire, mais maintenant je me sens obligé. Alors, Kobyakov, disons que tu es bénévole dans cette expérience. Oh. Je vais tester tes paramètres psychophysiques. Nous avons un faux bras, et voici ton bras à toi. Je vais te faire croire que c'est ton bras. Oui, tu peux le sentir, tu sens ça? Allez, regarde. Non, c'est un faux. Regarde ce bras. C'est un faux. Tu sens la chaleur?
Je serre ton bras. Je serre le faux. Où est ton bras? Vous ne savez plus déjà? Non. Tu hésites? Non. Eh ben, on va travailler ça. On va travailler. Ah les gars, il est fou. Il est fou. C'est un forcené. N'essaie plus de t'échapper de ma petite maison douillette. Il nous reste combien de temps? 3, 4, 5. 5? Mais lâche-la! Quelqu'un t'a attrapé? Bonjour, Vlad. Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur et ne t'inquiète pas. J'ai fait venir mon collègue Dimitri pour qu'il te fasse passer au détecteur de mensonges. Je vais découvrir ce qu'il y a dans ta tête, salaud. Tous tes sales secrets. Tous tes non-dits. Là, on va s'amuser. Tu n'as rien à craindre, mon garçon. Je suis prêt à répondre à toutes sortes de questions. D'accord. Alors, tu fais des vidéos pour gagner de l'argent? Non. Il dit la vérité. Tu dis la vérité. Tu es sûr? Tu es sûr? Ouais. Vous avez vraiment échappé au service militaire? Oui. Correct. Impensable. Tu t'es baigné nu dans la rivière? Oui. Je sens le doute. Il pue le doute comme pas possible. Ça peut arriver à n'importe qui. Quoi, c'est vrai? C'est vrai. D'accord, question suivante. As-tu trompé ta petite amie Yulia? Non. Il a dit vrai. Très bien. D'autres questions? Est-ce que tu aimes mon défi? Non. Collègue? Il semble que ce soit vrai. Collègue, corrigez votre logiciel pour qu'il fonctionne correctement. C'est n'importe quoi. Mes défis sont les meilleurs défis de tous les temps. Et le prochain défi le prouvera. Oh, les gars. Quoi? C'est quoi une trampoline? Sans blague? Juste une trampoline? Oh! Non, il doit y avoir un piège. Essaye, y'a pas de piège. Oh les gars, Vlados, attrape-moi. Test de stabilité physique et d'endurance. Voyons quel genre de singe vous êtes. Sautez, ou je vous taserai. De l'énergie, sautez plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? On a sauté sur une trampoline. Ouais. Il y avait une trampoline? Tu es sûr qu'il y avait une trampoline? Il n'y avait pas de trampoline. Et Kobiakov, oui, tu es vraiment une mauviette. Vous n'avez pas d'abonnés. Vous n'avez pas de chaîne. C'est de la fantaisie. Vous vous leurrez. YouTube n'existe pas. C'est que vous avez perdu la tête. Non. Non, je te crois pas. Non, 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 non. Non. Allez, prouvons au docteur que vous existez. Alors, mes chiots, hein? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués! Vous traînez au sol! Il ne reste plus que quelques heures, les gars! Il faut rester actif, très actif! J'ai justement une surprise pour vous! Préparez-vous! Kobiakov, bouge pas! Toi, tu vois ça? Je sens ça même, car je le vois s'approcher de moi! Aïe, le docteur nous l'a mis exprès pour que nous ne puissions pas rester immobiles et qu'on bouge tout le temps. Les gars, il reste quelques heures sans dormir, mais nous devons tenir bon. Et ce bruit, est-ce normal? Il se gonfle, puis il se dégonfle et c'est comme... Il s'apprête à attaquer. Bon. Nous devrions nous éloigner maintenant. Elle va manger, ça fait vraiment peur. Mince les gars, les bruits que ça faisait, j'ai eu très peur, vraiment. Et regardez, il bouge dans ta direction, Vlad. C'est impossible de détourner le regard, les gars. Bon, dans des conditions pareilles, on n'est pas prêt de s'endormir. Bon, on le contourne. Ah non! Allumez la lumière! Les gars, la porte est ouverte. La porte? Bah, on y est resté 24 heures. Exact. Ça y est, 24 heures se sont écoulées. Très bien, nous sommes donc libres. Nous avons réussi ce défi, nous sommes pas fous, ou bien on est fous. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la façon dont nous avons relevé ce défi. Si c'est le cas, mettez nouveau like. C'était donc moi, je m'appelle Vlad4, Kobiakov, c'est Yoga. Ciao, tout le monde.